Bonjour et bienvenue pour cette vidéo du Abracadam Show. Donc nouvelle vidéo aujourd'hui spéciale Oreo dégustation. Oui, alors je vous dis tout de suite, il fait une sale tête parce qu'Abra n'aime pas les Oreos. Oui, c'est la seule personne au monde qui n'aime pas les Oreos. Et en plus, il y a des goûts qui, moi, franchement, j'hésite aussi, je les ai pas goûtés encore. Voilà. Et le problème, c'est que déjà, le goût des Oreos normaux, déjà, il aime pas. Alors, ça va être sympa. Et puis, on va rajouter un petit peu de piment. On va te masquer les yeux. Ça va être sympa. Et surtout, alors, vas-y, précise aussi. À chaque fois, forcément, il faut boire un petit peu parce que bon, faut faire passer le goût. Mais on va faire passer ça avec. Bon, pour les gens qui ont vu la vidéo qu'on a faite, je vous ai. Voilà, si vous ne l'avez pas vu, allez la voir. Sur les boissons Timbark. Et bah, ça, vous voyez, c'est les boissons Timbark. On fait ça le même jour, c'est le restant. Et donc, à chaque fois, il va pas aimer le goût. Et en plus, il va se taper une boisson. Je vous laisse aller voir la vidéo, vous allez comprendre. Et franchement, là, c'est vraiment un pire passage pour lui. Désolé, mais ça va être drôle, je pense, voir. Donc, bah écoutez, on va voir ça. Je te laisse t'équiper. Ça marche. Maman, si tu regardes cette vidéo, je t'aime. Putain. On va commencer avec quelque chose de simple. Parce que je suis sympa. Faut que je trouve le goût aussi et tu me dis ce que c'est. Alors, on commence par ça. Voilà. Alors, ça a une forme d'Oreo. C'est bien. Ça sent l'Oreo. Ça aussi, c'est bien. Et putain, j'espère que ça n'a pas le goût d'Oreo. Bah, ça va, mais. Ouais, ça se mange. Et là, donc, c'est quoi le goût celui-là? En fait, c'est un Oreo standard avec un double de crème. Donc ça passe pour toi. Bah ça se trouve j'aime les Oreos mais je le savais pas en fait. Parce que moi le seul Oreo que j'ai mangé c'est l'Oreo noir là. C'était pas ça là? Si. Ok. Bah ça passe dans ce cas. C'est parce qu'il y a le double de crème je pense. Vas-y. Du coup le double de crème voilà. Peut-être. Mais le biscuit était bon aussi, c'est vrai qu'il était bon alors que d'habitude. Alors je peux pas te dire ou alors t'as bouffé un truc périmé, je sais pas. Un mauvais Oreo, est-ce que je ne mange une fois hein, ça va suffire. Alors, que je dis jamais ce truc. On va interchanger, on va en mettre un qui est pas terrible je pense. Non, bah, si, je me préviens pas, tu donnes le truc et tu dis rien. Bon, du coup j'ai soif en plus. Voilà. Ça sent fort. Ouais mais on a que ça à boire, c'est ça. Là c'est l'orange pêche hein, de team machin là. C'est orange pêche team bark. C'est le moins pire. C'est le moins pire. C'est le moins pire mais moi ça me. Mais c'est pas du tout le goût de l'orange. Non pas du tout. Alors je vous remets pas la caméra le goût. Putain il sent fort celui-là. Il sent fort. Ouais, je te jure. J'ai jamais goûté celui-là, je vais le goûter en même temps que toi. Je vais le goûter en même temps que toi. Fort. Putain. Ah putain. Ça a l'air. Ah ça sent fort. C'est pas bon. Non, j'aime pas. C'est bizarre. On dirait un truc fruité, non? C'est le cas. Ah, attends. Ça me dit un truc, en fait, je crois. Alors, je donne mon avis perso. Vas-y, je sais pas. Par rapport à l'Oreo standard, effectivement, t'as le goût, en fait. Bon, bah, vous avez vu en vidéo, vous, hein. Donc, vous doutez quel goût ressort le plus. Les arrière-goûts, mais là, et alors, c'est marqué, donc. C'est marqué en anglais, j'ai oublié. Peut-être que, voilà, pour les non-anglophones, donc du coup, on va peut-être. Tu as une idée ou pas où je le dis? Bah, vas-y, dis-le. Alors, strawberry, donc en gros, c'est la fraise. Ah, ok. Non, donc, strawberry, c'est fraise? Strawberry, oui, je crois, non? Ok, je croyais que c'était cerise. Non, cerise, c'est cherry. Oui, effectivement. C'est ça, c'est marqué là, c'est marqué en dessous. Goût fraise et alors c'est goût fraise et fromage blanc hein. C'est strawberry cheesecake et c'est le côté cheesecake qui rend un peu bizarre. Ouais je sais pas le truc. Bah c'est ouais non. C'est dispo en France ces goûts là. J'ai tout trouvé en France donc en fait Oreo là depuis je sais pas ça fait combien de temps. Il y a un mois à peu près j'ai trouvé ça en magasin donc c'était des goûts qui étaient disponibles que aux États-Unis là je suis content d'avoir trouvé ça. Par contre je veux de l'eau là. Alors on va te mettre de l'eau. On va être sympa. On a combien de Oreos là du coup encore? Alors, il te reste encore 4 goûts. Ok.
super. 4 goûts à tester. C'est ça parti. Va. C'est testé. Hein. Un autre. Qui est normalement sympa, celui-là. Tu devrais apprécier, je pense. Oh putain, déjà la texture en main, c'est quoi ce truc? C'est un enrobage en fait. Ouais, ouais, j'ai senti, c'est oui. Chocolat. Ça a le goût de chocolat, c'est l'odeur de chocolat. Celui-là est pas mal. Ouais. Il est pas mal, hein. Mmh. Tiens, je t'avais pas. Ouais. Je savais que t'allais bien aimer. J'ai un chocolat caramel, non? Non, c'est un. Alors en fait, c'est un Oreo standard. Ok. Enrobé de chocolat blanc. Ça passe. Ça passe carrément, en fait. On va passer à celui-là. Merde, j'ai plus d'eau. Je vais t'en remettre. Putain, si. Alors là, faut que tu trouves le goût. Tu trouves pas le goût quand même, hein, les gens, on est d'accord. Il trouve pas le goût, on lui met du Timbark. Ok? Putain, je déteste. Tiens. Tiens. Voilà. Je t'accompagne en plus. Hein, je l'aime pas celui-là et je t'accompagne. Mais c'est le même. Et, hein, c'est pas le même enrobage, on est d'accord. Vous le voyez à l'écran. C'est pas mal non plus en fait. C'est bien, mais j'aime moins. Même. Je dirais. Chocolat blanc. Tu viens d'avoir le chocolat blanc. Merde. Là, hein. Bah, je sais pas. Chocolat noir. Non. Encore non, perdu. Pas le goût de chocolat noir du tout. Chocolat, chocolat au lait. Bah oui. Ah bah voilà, c'était le dernier en même temps. Hein. Bon bah écoute, Timbark. Putain. On va t'en mettre un sympa. Ouais. Bah, je te fais confiance, pas de problème. Putain, avec le goût des oreilles en plus, à mon avis, je sais pas ce que ça va donner. Tu vas me dire si tu. Oh putain. Ça te rappelle quelque chose? Ah oui, mais je sais plus lequel. Je sais qu'il est pas bon du tout. Putain, c'est pire avec les oreilles, je te jure. Oh putain, c'est celui qui sortait la pisse. c'est celui-là. Je m'en souviens. Oh, putain, non. Bon, c'est bon, il n'y a plus rien là? Si, si, ah bah si, 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 si. Ah, si, 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 si. Okay. Celui-là, à mon avis, il est pas mal aussi. Ah, putain. Celui-là, je vais t'accompagner, mais je pense que je vais boire aussi. Ça laisse présager rien de bon. Oh putain, ils sont tous démolis ou quoi? Ok, le paquet a eu un problème. Oh, c'est pas grave, vas-y, balance, de toute façon. Voilà, j'en ai trouvé un bien. Oula. Oh putain, on dirait de la cacahuète, je crois. Je dirais de la cacahuète ou... Faut pas faire ça. C'est cacahuète. Je suis sûr. Je sais pas pourquoi, je suis sûr. Mais c'est pas bon. Non, c'est pas bon du tout. C'est bizarre, mais j'aime bien. Alors, il nous en reste un Oreo à manger du coup quand même. Non. Il en reste un, mais c'est le meilleur. Moi, c'est celui qu'on préfère. On va le montrer directement en caméra. Oreo Golden. Celui-ci, il fallait vraiment qu'il sorte en France, c'est ça. Parce qu'il était vraiment très bon. On l'avait déjà goûté. Bon, ouais. Je vais prendre. Tu veux faire moite-moite avec moi, parce que je. Ah ouais, si tu veux. Vas-y. Pas tout, moi. Pas de problème. Oh, donc ils sont dorés aussi. En fait. Hein. C'est pour ça que c'est Oreo Golden. Et en fait, je sais pourquoi j'aime pas les Oreos. Parce que c'est sec. Bah, le plus mauvais, désolé, mais c'est le beurre de cacahuète. Alors le beurre de cacahuète, il est immonde à l'odeur et il est sec. Et il est dégueulasse. Voilà, c'est simple. Si vous voulez qu'on mette plutôt des visuels d'Oreo ou si vous voulez qu'on fasse juste un classement tableau à la fin, dites-le nous. Cette vidéo-là, du coup, ça comptera pas. Mais pour les prochaines, on s'appliquera. Là, c'est vraiment pour voilà, c'est le début. On essaie vraiment de voir et d'essayer de vous plaire un max. Donc, il faut qu'on faut essayer de trouver le juste équilibre. On essaye de faire découvrir des goûts pour les gens qui connaîtraient pas. Et surtout, on va mettre nos classements. Je pense que pour un truc qui peut être intéressant, c'est si vous avez les mêmes goûts que nous au niveau de la nourriture. Ça vous permet de vous dire, ok, moi, je suis plus proche d'Abra ou de Kazam. Et du coup, bah, sur certains trucs, voilà, quel avis je suis, quoi. Donc voilà pour ça. Quelque chose à rajouter du coup?
Non, non, du coup c'est Moi bon non pour plus. moi. Donc tout est bon aussi. Bah écoutez, on vous dit au revoir, à bientôt, on vous À fait la des bisous. prochaine. Et puis. N'oubliez pas le pouce bleu. Salut! Et les commentaires. Bisous!